Il y a trois points qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est la vision industrielle dès le départ de cette expérimentation, avec une vision finalement de penser la qualification en amont. Et qui dit penser qualification, dit une solution en kit et une solution qui est non intrusive au niveau du char. Le deuxième point qui est différenciant, c'est le mode de relation entre les parties prenantes, entre la CIMT, entre CKP et entre Nexter. C'est le fait de vouloir travailler en partenariat, avec une volonté de partager notre savoir-faire et de façon à pouvoir monter en compétence l'ensemble des parties prenantes, puisque ce sujet fait intervenir l'expertise, la maintenance et le donneur d'ordre qui devra conduire les opérations. Le dernier point qui me semble différenciant, c'est le fait d'avoir une trentaine d'années d'expérience derrière nous, tant au niveau des informations qui ont pu être collectées, que de l'expertise de Nexter et des personnels qui entretiennent les véhicules sur le parc d'entraînement de l'armée de terre. Cette expertise, combinée avec l'expertise de CKP, permet d'assurer finalement la réussite de cette expérimentation. L'objectif est d'identifier de la valeur ajoutée que l'on peut apporter aux forces armées.